Comstock ne s'est pas contenté de la torturer, il essaie de la transformer, de la faire devenir comme lui. Mais je ne vais pas le laisser faire. Oh que non. C'est notre Elisabeth, notre jeune femme, pleine de rêves, qui sera libre et qui vivra à Paris. Encore de l'argent. Yes. Oula. Tourner en même temps que la caméra. Ça fait des choses un peu étranges, hein. Canon à rafale. Ça a l'air sympa, ça. Regardez, c'est la main du prophète. Le vaisseau de Comstock. Ah, ça, là. Nous devons absolument monter à bord. Bouge pas, je m'en occupe. Soit nous y allons tous les deux, soit j'y vais seul. Dans les deux cas, je dois savoir que c'est fait. Oh, Dewitt, acceptez la prophétie. Arrêtez de vous débattre. Vous êtes la pierre dans la fronde. Admirez toute la beauté du lancer et l'excitation de la descente à mesure que la gravité vous rapproche de l'inévitable. Mec, j'ai atomisé toute ta ville. Il l'ouvre encore, ça. Alors, j'ai quoi? J'ai un canon à rafale et j'ai un truc de folie furieuse. Canon à rafale. Voilà. Canon à rafale. Voilà. Effecteur, canon à rafale. C'est l'arme que j'ai jamais utilisée, mais on va l'améliorer. ensuite. Réflecteur. Faucheur, je sais pas ce que c'est. PDF. PDF, oui, je connais le fichier, quoi, mais. Fusil à pompe. J'ai combien encore? 1400. Je peux encore faire des trucs, hein. Pluie de flammes, réflecteur. Si je tombe dessus, ça. Lance-roquette. Ah oui, c'est le machin de feu là en fait. Voilà. On a amélioré plein d'armes différentes. Enfin, quelques profils d'armes. Comme ça, Elisabeth. Si jamais on tombe dessus. Oh, et tu fais pas la boue et tu te mets au boulot, là. Hein. C'est facile de dire, moi je fais les trucs tout seul. On se met au travail, hein. Donc comme ça, ouais, si je tombe dessus parce que j'ai plus de mission ou quoi, j'ai trouvé de on sera bien. Yay! Beau lancer. Go, go, go. Parce que je me vois mal finir tout le level avec cette arme-là. Comment ça, cachez-vous? Sûrement des éclats? Non, pas des éclats. Ce sont... Regarde bien, Elisabeth. J'ai construit tout ça pour toi. Tu es mon héritière, mon sang. Et qu'est-ce que Dewitt a fait pour toi? Pour lui, tu ne seras jamais rien de plus qu'un moyen pour arriver à ses fins. Alors j'ai changé d'arme à un moment donné, j'ai pas compris pourquoi, mais c'est pas grave. On va faire avec. Je le touche, hein. Je sais pas si je le touche. J'ai pas l'impression. C'est pas grave, prends ton temps. Yay! Parfait!
De quoi ça? Booker, des cristaux. Oh oui. Merci. Là. Ok. Bon, ouais, on va garder ça pour le moment, c'est un peu le carnage. Par où? Par là, ok. Ok. Cette navette peut nous emmener jusqu'à la main du prophète. Oh la destruction. Bon, pas très bien. Je veux dire, à partir de là, on est bien. Hein. Des mitrailleuses. Est-ce que j'ai envie d'une mitrailleuse? Ça changeait ça aussi. Oh, c'est complètement mitrailleuse ça. Non, bah on va continuer avec ça. Puis on changera d'arme quand il faudra, tout simplement. Ce vaisseau va retourner à la main du prophète. Oh bah cool. J'attends que vous m'en donniez l'ordre pour continuer. Attends. Merci bien. Partons rejoindre la main du prophète. Ça va aller. Vous croyez que... Vous croyez qu'on a la possibilité de racheter tous nos actes? Racheter? Je vois pas trop l'intérêt. Booker, est-ce que vous craignez Dieu? Non. Mais je te crains, toi. Fameuse phrase du début du jeu. Quoi? Les hommes de Comstock viennent à notre rencontre. Où ça? Ah oui, en effet, oui, bonjour. On va plutôt utiliser ça, du coup. Enfin, moi, que je puisse m'accrocher. Hop là! Deux secondes, j'arrive. Alors. Hop. Ah! Un autre vaisseau? Un autre vaisseau? Oh. Ok, ça en fait un en moins déjà. Et deuxième. Un autre vaisseau sur la gauche! Ça va aller, ça va aller. Des munitions. Oh yes. Regardez, la Vox Populi, avec le vaisseau. Oh, le combat d'handicapé, ça passait. Ok. Ah, il est pas mort. Oh, le bâtard. Oh, il m'a eu. Là-bas, en voilà d'autres. Où ça? Ah, là, là, en effet, là, j'en vois un, là. Pas loin. Oula. C'est le jour de... Oh le mec! Bouclier, ok, bouclier, c'est bon. Non mais le mec! Le gars qui m'a atomisé quoi. La vengeance, direct. Ça
Oh le salaud. Le gars il m'a fait double roquette d'affilée. Des munitions, prenez-les. Oh prenez, merci. Ça pouvait pas mieux tomber. On va repasser là-dessus. Oh voilà, faites pas. Peut-être pas, peut-être pas. Je mange un peu mes dents là. Ah bah oui, bah, tu m'étonnes que je mange mes dents. Et nous battre pour le rejoindre. Oh, mais il y a des kits de ou soins, alors, ça. On peut mettre le cap sur Paris. Vous avez le droit de me laisser là. Ce n'est pas votre problème, Booker. Je ne vais pas t'abandonner. C'est bien vrai? Vous le jurez? Oui. Mais t'es passé où? Ah. Regardez! Des lignes d'aérotram partout sur le vaisseau. Elles sont couvertes de capsules pour patriotes motorisés. C'est de là qu'ils doivent sortir. On doit se débarrasser des capsules si on veut approcher. Comme ça, il est au sommet du vaisseau. Allons-y. Au sommet. Alors allons au sommet. Regarde-le. Il y a quelque chose chez lui que tu n'arrives pas à saisir. Tu comprendras bientôt qui je suis et qui il n'est pas. Ok, ça passe. Ça passe, ça passe. Il est où? On va essayer de un peu moins mourir. Faites-le sortir de sa cachette. Oh le génie. Il est où? Oui, ils doivent venir du même côté, je pense. Oui, voilà. Parfait. Parfait. Je t'ai eu. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Merci si. Beaucoup. Tirez-lui dessus. Un mec qui a protégé une machine avec sa tête, quoi. C'est beau, c'est beau. Il l'aimait, cette machine. Je vais vous tuer. Ah, je suis bête, ça, ouais. Ça, il y a des munitions avec ça. Je vais vous écorcher vif. Ah bah non. Faut pas faire des choses comme ça. C'est mal. Hop là. Booker, cette aérotrame mène au pont suivant. Si
Si nous nous débarrassons de ces capsules, nous pourrons accéder au pont supérieur. Encore de l'argent. Oh, merci. Attendez pas vraiment à ça. Oh. Ça va faire le ménage. J'ai vu les premières étincelles qui prépareront la Sodome inférieure à l'arrivée du Seigneur. Mais ce n'est pas moi qui vais mener à bien cette mission. C'est toi qui t'en chargeras, Elisabeth. Tu parles. C'est ta mission. Ça va te péter le nez, oui. La voie est dégagée, Booker. Elle va t'atomiser. La voie est dégagée. Ah oui, en effet. Suis-moi. À la gauche de notre agneau se tient le faux berger. Et à sa droite, les vestiges d'une force populaire d'hérétiques. Lequel d'entre vous ne sacrifierait pas tout de bon cœur pour la voir accomplir son destin? Réjouissez-vous! Réjouissez-vous! La mort est douce! Oh le mec. Mourez pour moi et réjouissez-vous. Regardez comme ils sont réjouis. Réjouissance. Quel moteur est-ce ? Ouvre-la ! Et voilà ! Qu'est-ce qu'il est le... qui me tire dessus là. Qui me tire au-dessous de où? Bon, ça a l'air bien. Panneau de lancement. On va évacuer ces capsules. Ça a l'air pas mal du tout. Pep. Par là, un lance-grenade. Il y a un problème. Ah oui. Pourquoi elles ne vont pas plus vite? J'en sais rien. Il faut qu'on patiente. Ah oui. Vas-y. Un quart des capsules ont été éjectées. Seulement. J'ai mangé. Je comprends mieux pourquoi. Allez, on tient. On tient. Tranquille, man. Les trois quarts. C'est vrai qu'on n'est pas pressé. Bon, on a du gâteau. À partir de ce moment-là, tout va bien. Moi, si j'ai du gâteau, je vais bien. Ah non! La voie est libre. Ah bah parfait! On va vous laisser, hein. Ciao! C'est peut-être moi qui vous terrasse, D8, mais vous n'êtes jamais loin de l'autodestruction. Vous causerez peut-être votre propre chute. Ah, il y a du monde ici. Où il est passé? Oui, oui, sans doute, salut. Comme Steph ne s'est pas contenté là, mais non, c'est bon, on est déjà au courant. Plus qu'un pont, laisse-moi faire, je vais m'en occuper. Non, je viens avec vous. On est une équipe. Et range ses ciseaux. Ah. Il va y avoir du duplaboum. Tu veux des gens bouger là-bas. Cristaux. De soins. Lance-grenade. Prendre un lance-grenade. Ici, des carabines, justement. Très bien.
bien, très bien. Elle est pas mal. C'est bon. J'ai un petit doute sur celui-là. Ici, on a une faille. Personne ? Il y a encore complètement quelqu'un. Mais où ? Bon, finalement, je vais prendre une carabine. Dans un lance-grenade, je pensais qu'il y aurait des gros tanks ou je sais pas, un gros truc. C'est plutôt safe. Soyez prudent, hein, on dit mal ! Oh non ! Lance-grenade ! Lance-grenade ! Ok, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Prenez ça. Merci. Ok. C'est tout ce que j'ai. Putain, il me déchire. Il me déchire tellement. C'est cool. Prenez ça. Génial. Ok. Je peux reprendre une carabine. Je pense pas qu'il y a un autre handyman. Attends, j'espère pas. On a gagné un truc. Oh bah de... Oh, une valise. Qu'est-ce qu'elle fait là? Kit de soin. Elisabeth. Voilà. Choper ça. Choper ça directement. Oh non. Enfin, ça va y aller déjà. Comment je fais pour le louper? Je suis un stormtrooper, mec. Ok. Bon. C'est un petit peu la complexité, mais c'est passé. Oh oh. Je pensais l'avoir vu. Finalement non. Ok, allez, suivante. Ah, il laisse pas de cadavre celle-là. Ouais, saleté. Ah oh bah non, t'auras pas de munitions. Non, non, c'est interdit. Rien par ici. Cet aérotram mène à la cabine du prophète. Ah bah, très bien. On a gagné un petit peu d'argent, mais pas grand-chose. Pas grand-chose, c'est pas la joie. Chargeur amélioré, dégâts optimisés. Moi j'aime bien les dégâts. J'ai trouvé de l'argent. Vous le voulez ? Oh merci. Carrément. Et là-dedans, il n'y a rien à choper. On a quelques munitions là, espérons que ça suffise. Avec l'aide d'Elisabeth. Vous êtes là pour payer vos dettes, faux bergers. Mais jamais vous ne pourrez trouver la rédemption. Certains péchés ne peuvent être absous. Ah oui, il y a une armée là, la Vox Populi. En train de prendre tout ça d'assaut.